expliquer à la classe pourquoi on se retrouve au point regroupement tous les matins. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins au point regroupement quand on se retrouve? On fait la date en anglais et on dit c'est notre combienième jour d'école. Et on fait autre chose ensuite. On dit le programme de la journée. Voilà, on expose le programme de la journée et le plan de travail. Les CE2, vous allez commencer à lire au TNI le plan de travail que j'ai affiché. Les CE1, vous allez prendre votre ardoise. Ce matin, on va démarrer par les mathématiques. Dans ce plan de travail, il va y avoir différents ateliers qui vont correspondre à différentes compétences. Chaque apprentissage est associé à un espace, être assis à une table. Par exemple, un exercice d'application sur le cahier. On va pouvoir travailler debout face à un tableau en petits groupes. Et on va être un peu éloigné des enfants qui font un exercice en individuel. Comme ça, ils ne vont pas se gêner les uns les autres. On peut être allongé ou assis dans un fauteuil pour regarder une capsule dans le cadre de la classe inversée. Pour d'autres activités, les enfants vont pouvoir travailler debout. Travailler debout, ça va aussi aider à la concentration. Et les enfants vont circuler d'un espace à l'autre en suivant leur plan de travail. Je suis en train de faire une course de chevaux avec des multiplications. À chaque fois que je réussis un calcul, j'avance. J'en suis à la médaille d'or et je suis en train d'essayer de la gagner. Et si à un moment donné, il y a un enfant qui a besoin de mon aide plus particulière, les autres enfants n'ont pas à attendre que j'apporte cette aide. Ils vont pouvoir continuer en suivant leur plan. 6110, 8569. On doit faire sur l'ardoise des multiplications. Ensuite, on va voir la correction. Puis si on a bon, on l'écrit sur le cahier. Si on n'a pas bon, on doit refaire sur l'ardoise. J'ai accueilli une stagiaire dans ma classe. Ça m'a permis vraiment d'avoir du recul, même avec une enseignante qui n'avait pas élaboré cette organisation. Les enfants étaient vraiment autonomes et c'était approprié ce dispositif.